Ça va ou quoi, ma petite Kirby? Et ma petite fleur des îles, yo. Vas-y, ça va, c'est carré. Hey, tu m'as manqué de fou, là, j'ai dormi... J'ai dormi à moi assis là-bas pendant 8 jours d'affilée, sa mère. Ah ouais, carré. Ah ouais, moi aussi, hein. Comment ça, j'ai pensé à toi? Bah, je sais pas, t'as rêvé de moi un peu. J'avoue, je suis obligé de penser à ta petite tête de Malteser, tu vois. Eh, au fond, tu l'aimes bien, ma tête de Malteser, non? Ah bah, vrai, t'es unique, hein, y'en a pas deux des comme moi, toi. Non, c'est sûr. Yo, ça va ou quoi? Ah bah, salut, Kirby. Salut les bleus, ça va? Si. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, je veux dire, même si j'ai été profondément trahi, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Ça va et toi, mon pote? Tu devrais pas me parler. Ma petite chérie, attends, viens. On va discuter. Je trouve que quand tu marches, t'as beaucoup de style, tu voudrais pas m'apprendre à marcher? Tu sais, marcher comme moi, c'est un apprentissage, c'est une éducation, tu vois ou quoi? Ouais. Je vois, ouais. Il faut... Tu sais, c'est tout dans le flow, il faut... Faut se balancer, tu vois, faut se donner, tu vois ou pas? Ouais, faut tourner du cul, quoi. Ouais, chaque pas, il est déterminant, tu vois ou pas? Ouais. Tu dois être musclé des fesses, je peux toucher. Non, vas-y, là, faut pas, j'ai dormi dehors, t'as vu, c'est... Ah, d'accord. Je me suis pas encore lavé, t'as vu? J'ai volé les chaussures de Kevin, parce que les miennes, elles étaient pleines de jus d'ampoule. Ah, elles sont où les chaussures de Kevin, là? C'est ce que t'as au pied, là? Oui, ça, c'est celle de Kevin. Ah, tu les as inversées? Ouais, il a les miennes pleines de jus d'ampoule. Toi, t'es un petit rigolo, toi. Papa. Vas-y, ouais, rigolons, voilà. J'ai écouté un podcast sur les alpinismes. Ouais, ça dit quoi? Ils montent les montagnes. Ouais. Et des fois, il y a des bouts de doigts qui s'en aillent. Ouais, on appelle ça la cryogénisation, t'as vu? Ouais, non. Si. Ah bon? Si, bah ouais, moi je connais un gars, il était alpiniste. Ouais. Il montait, ouais, bah, il montait des montagnes de bœufs, comme ça. Des montagnes de quoi? De bœufs. De la bœuf sa mère, tu vois ou pas? De la bœuf sa mère? De la bœuf sa mère, de la bonne bœuf sa mère. Va voir Kevin et tu lui fais, t'as de la bœuf sa mère. Ouais, je suis d'accord, je vais lui demander. Voilà, vas-y. Putain de merde. Ça va mon ref? Ouais, mais les chaussures de Kevin sont beaucoup trop grandes, je me trompe. Ouais, mais c'est soit ça, soit t'as des paquebots émergés, tu vois ou pas? Ouais, ça faisait des grands fils de jus d'ampoule quand je les enlevais. Ouais, un peu comme du fromage, comme une 4 quarts. Ouais, c'est ça, un 4 quarts de fromage. Un 4-4, ouais, comme un 4-4. Un 4-4, genre y a des roues et tout. Ouais. Ouais, je vois. Ouais. Non. Ouais, vas-y, va-t'en. Ouais, vas-y, tranquille. On se tire des bateaux dans les roues pour rien. Yo, ça va ou quoi? On doit faire front commun. Ça va, Jordan? Ça va et toi? Bah ouais, vous. Ça va, Kevin? Ouais, non, ça va. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Parce que tu baises avec Nova. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est... Ouais. Tu es la copine de Bobby et moi, je veux pas que Bobby il soit triste parce que toi, tu es pas fidèle avec lui. Vas-y, essaie et fais. Ouais, vas-y. Comment tu comprends son dialecte à lui, là? J'ai l'habitude à fort. Ah putain, à fort? Ah ouais, je comprends. Je vois, t'as l'habitude de ouf. Pas très bien avec moi. Bon, en tout cas. Nova, pas vrai? Quoi? En tout cas. Nova, voilà, garde ce que je t'ai dit. Pas moi. Comme ça, pour notre sécurité à tous, c'est le mieux. Tu vois, moi je t'ai dit vraiment, je joue pas à la course ou je suis pas comme les rouges, ok? À jouer à la course ou quoi. Que tu sois sincère ou pas, en vrai, même ça c'est pas grave parce que je serais pas déçu. Genre, si vous avez un truc ou si j'ai un truc pour le bien commun, là je partagerai. Et je vais faire pareil avec les verts. Il y a juste les rouges, j'ai un peu du mal parce que les rouges, ils ont l'air de vraiment être un peu dans leur bulle, mais voilà, faut faire attention parce que sinon il va nous arriver des choses mauvaises, je pense. Je vais te dire un truc, ok? Nous, on voulait penser comme ça au début, parce que à chaque fois que j'ai voulu être gentil, on s'est fait marcher dessus. Donc moi, je veux bien partir du principe qu'on s'entraide, mais un truc de travers et ça partira en guerre totale. Après, franchement, c'est même pas tant, je vous demande même pas tant l'entraide en mode, tu sais, dès que t'as eu la faute, t'es pas obligé de venir me voir, c'est même pas ça. Non, mais c'est pas ça que je sais. Juste. On n'essaye pas de se baiser entre nous. Tu vois, par exemple, l'autre fois, quand je vous ai croisé à la bibliothèque, quand on espionnait l'interrogatoire de Bobby, ben, t'as vu, vous m'avez jeté direct. Mais bon, après, c'était une longue soirée, on s'était beaucoup battu ce soir-là. Mais ce genre de truc, faut que,
Faut que, tu vois, si on est tous à la bibliothèque au même moment, et ben on essaye de se couvrir les uns les autres. Parce que là, le but, c'est vraiment d'arrêter celui qui a tué. En vrai de vrai, t'as pas tort, tu vois. Après, t'as vu, c'était une longue soirée, tu l'as dit toi-même. Voilà, ça s'était embrouillé de fou. Nova, t'es pas obligé de faire des doigts d'honneur comme ça à travers toute la pièce. Non, mais désolé, c'est pour me réveiller. Vas-y, tranquille. Ouais, ok, je comprends. Mais en vrai, je vais pas mytho, t'as pas tort. Après, moi, j'ai un problème, c'est contre l'équipe rouge. Moi, j'ai rien contre vous. Les verts, ils sont détraqués, j'ai rien contre eux. Moi, le seul problème que j'ai, c'est l'équipe rouge. Parce que, en fait, tu vois ce qui s'est passé quand t'es venu là. Ouais. En fait, ce qui m'a vénère de ouf, c'est que juste avant, on avait croisé, nous, l'équipe rouge. Et pareil, ils ont fait exactement comme on t'a fait à toi. Et moi, je croyais que t'étais avec eux, en fait, tu vois ou pas? C'est eux, quand on essaye un peu de leur parler, de discuter au calme, tu vois, de se mêler un peu, ils nous rejettent comme si on était des petites salopes, tu vois. Je suis d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde leur donne aussi des infos. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a peur. Ouais, les profs, c'est bizarre. Hein. Ça, va falloir emmener l'enquête de fou. Hein. Ils étaient à moins 30 points. En une nuit, ils sont passés à plus 70. Écoute, tu vois, je vais faire un pas vers toi. Je vais voir si je peux te faire confiance. Ça... Oh, pardon. Non, il faut... Ah bah, c'est sympa. Non, mais c'est qui tu détestes comment, cela? J'ai trouvé un trésor. Et quand je dis un trésor, c'est un gros trésor, d'accord? Ah oui, ok. Quand on est sorti à la mer. Ok. Dans l'eau, j'ai trouvé une créature mythique. C'est complètement fou dit comme ça, mais c'est la vérité, j'ai trouvé un carapuce. Ok? Et il m'a mené un coffre, et dans ce coffre-là, j'ai trouvé une énorme pépite d'or. Incroyable. Arrête, Nova, vraiment, ça va mal finir. Et du coup, t'es riche maintenant. Bah, écoute, regarde, attends, moi aussi... mais justement, regarde. Ah, ok, vas-y. Moi, cette pépite d'or, elle ne sert à rien. Donc, j'ai été en parler au prof d'histoire. Parce que je parle beaucoup avec lui, il est au courant de pas mal de légendes, il sait pas mal de choses. Donc, j'ai voulu savoir s'il savait quelque chose. Mais moi, j'y étais en pleine confiance, c'est mon professeur, tu vois. Sauf que, le soir même, on a essayé de m'agresser. Attention. Donc, en gros, je t'expliquerai plus. Ouais, donc le soir même, on a essayé... Salut tout le monde. Ça va que les tuettes, je te dis pas bonjour. Ça va et vous? Bah si, mais parce que j'étais en train de discuter. Ah, parce que j'étais pas... Ah, je vous dérange peut-être. Non, pas. Si tu veux qu'on parle, franchement, qu'est-ce avec moi, de s'il te plaît, gros. Putain, je le sens pas. Ouais, vas-y. Tu vois, le meilleur... Eh ben, vous voyez, le meilleur exemple, c'est ça. Voilà, il fait que de faire ça, il va dans un groupe, il embarque un gars, une meuf, tu vois, il dit rien... Et il les met à part, il partage rien et tout. Mais tu vois, ce que tu sais pas, c'est que c'est un jaune, il est avec toi, Kefta. Ouais, mais Kefta. Sauf nous, qu'il est il est en duo avec un mec de notre classe. Non, mais Kefta, Kefta, nous, on l'a mis dans les traites et on l'a enlevé de nos délégués. Pourquoi? Parce que je l'ai surpris à la bibliothèque. Yo, avec, baby girl. Salut, baby girl, ça va? Ouais, ça va. Et en gros, on l'a mis sur la touche, tu vois, Nova, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Parce que il est que d'aller avec les rouges. Mais regarde, là. Ça va et toi, Kirby, bien? Super. Bien, Mighty. Bien, voilà. Nickel. C'est carré. Carré. C'est carré. J'ai parlé à Kirby. Ok. Donc, attends, je n'ai pas fini. Ouais, donc, attends, là, parce du que coup, nous aussi. Il y a le prof d'histoire, je lui en parle. Le soir, j'ai un bleu, celui qui la joue solo, qui vient me dire, ouais, le prof, il m'a mis au courant que t'avais la pépite, il veut que je lui ramène. Il en a parlé aussi à Deux secondes, moi je suis désolé, mais l'autre con il est bloqué dans son lit, je vais le débloquer. On va jamais arriver, sa mère, à avoir une conversation. Nova, c'est pas con là ce que tu fais, mais faudra en parler quand même à Aziz et à Kirby, t'as vu? Mais de toute façon, j'ai discuté avec Suzy. Je lui ai dit que ça m'avait fait de la peine parce que Suzy gentille et elle trahit ma confiance. Vas-y, fais la même sans cracher, cousine. Mais pourquoi t'es méchant avec moi, toi? C'est toujours gentil avec toi, moi. Putain de merde, j'en ai reçu plein la gueule. J'ai rien demandé, j'en ai reçu plein la gueule. Bah moi c'est pas demandé, t'es méchant. Ah putain de merde. Eh, j'ai un truc dans le dos ou quoi là? Regardez les filles. Tu peux voir? Elle m'a craché dessus. Juste ton cul bien roulé, moi. Vas-y, arrête toi. Oublie pas de quel bord t'es, toi. Eh, laisse-moi vivre un peu, man. Mais je te laisse vivre. Vas-y, cousin. Reprends. Ouais, pardon, Nova, c'est bon, il est débloqué. Et t'as oublié, j'aime les dames. Les dames, man. T'as oublié. Ouais, excuse-moi. Ta voix, elle s'est censurée, sa mère. Tes cordes vocales, elles sont censurées de fou. Donc voilà, moi, j'ai fait confiance à un prof. Je me suis retrouvée avec un rouge et un bleu sur le cul qui voulaient me voler. Et apparemment, c'était une mission pour voir s'ils étaient de confiance et pour les tester. Mais pourquoi un prof ferait ça alors que c'est moi qui étais vers lui? Mais quel Je comprends pas.
Bah, l'autre salope de Brandon avec sa tête de chou-fleur, ce bâtard. Mais lui, il me fait peur un peu parce qu'il est tout le temps tout seul. Je le considère même pas. Ah, il est pas tout seul. Non, il est pas tout seul. Hein. Il est avec les rouges, t'inquiète même pas. Hein. Il fait ses petits plans avec les rouges. Bon, écoute, moi aussi, je vais dire quelque chose sur le boîtier de craquage. Peut-être ça peut nous donner des indices maintenant que vous l'avez. Je vous le dis où Suzy l'a trouvé. Parce que c'est Suzy qui l'a trouvé. Ok, Suzy, t'es d'accord? Ça te dérange pas? Moi, de toute façon, on a discuté avec Suzy là juste avant. On a dit qu'on ferait une réunion. On va allier nos man, chacun. De toute façon, tranquille, nous on est trop cons pour l'utiliser. Bon, en gros, on l'a trouvé dans la salle de SVT, d'accord? Dans son bureau. Et donc ça a un lien. C'est un autoclashé. SVT. Et moi, je vais vous partager quelque chose que je pense, mais c'est théorie tirée des cheveux, hein, je sais pas. Mais sur le bureau du prof de SVT, il y a une figurine avec la tenue des rouges et c'est une tête de loup. Une tête de loup-garou, genre. Et si vous regardez la veste des rouges, leur tenue, le symbole, c'est un loup sur leur veste. Du coup, alors là, je suis en train de partir en couille, vous allez me dire, peut-être. Mais avec ce qu'on a vu, des endroits un peu spéciaux qu'il y a dans l'école, franchement, je suis plus à ça près de croire qu'il y a peut-être, avec les animaux fantastiques que tu as vus, qu'on a vus en salle d'SVT, je me dis, peut-être qu'il y a un lycanthrope parmi nous. Tu crois qu'il y a un loup-garou? Ça expliquerait le bras déchiqueté. Eh, je sais pas ce que vous avez pris, mais ça doit être de la bonne sa mère, hein. Comment tu peux dire ça alors qu'on a vu un carapuce et un évoli? Mais parce que c'est trop. C'est pas con. Ouais, mais c'est trop stylé, Pokémon. Non, écoutez-moi bien, j'ai une histoire à vous raconter. Je parlais avec le prof d'histoire et il m'a dit, il s'est rattrapé derrière qu'il avait plus de 2000 ans. C'est qui déjà le prof d'histoire? Ouais, il ressemble à quoi ce bâtard? Non, c'est le bibliothèque, ouais, c'est lui. Ah, mais le prof de théâtre. Mais ça se voit qu'il a plus de 2000 ans, il cache son gigantesque cou derrière une écharpe, ce bâtard. Putain, j'ai pas pu lire son putain. Moi j'ai dit depuis le premier jour, lui c'est un coup monté. Doigt de l'infini. C'est quoi ça? Tu vas lâcher une caisse ou quoi? Première mission, trouver quelque chose en argent et dénicher le loup-garou. Pourquoi c'est pas quelque chose en argent? Oui, c'est quoi de l'argent? L'argent c'est une matière, c'est comme l'or, mais en fait c'est de l'argent. Oui, mais pourquoi il te faut ça? Parce que les loups-garous ils craignent l'argent. Ok. Donc si on met de l'argent dans la main d'un prof qui est un loup-garou, il va forcément réagir. Par contre, ou d'un rouge. Pitié, peut-être les rouges sont déjà au courant, mais ne partagez pas l'info avec les rouges. Mais les rouges, ils sont mèches. Tu sais que nous, les rouges, on leur parle quasiment jamais en fait. Ah mais en fait, comme le soir où vous avez pris le boîtier, Amine, il est venu me voir en me disant ouais, Nova, elle doit partager un truc et ouais, tout. Ouais, mais j'ai pris un rien à voir, man. Attends, mais comment il a su, lui, là, avec sa tête, là. Je sais pas. Et après, il m'a pas parlé du boîtier, mais... C'est le prof d'histoire. Ah, ils sont de mèche, je pense. Mais oui, il lui a dit qu'il voulait la pépite et qu'il devait me la récupérer, que c'était un test. Okay. Ouais, mais ça, c'est bizarre, ça. Vas-y, venez. Il est bizarre, moi, d'où? Décale. En tout cas, on se tient au courant. Hello. Mais non! Ouais, ça va ou quoi, Bobby? Vous allez bien, ça va, Nova? Ça va ou quoi? Checker un peu! Vas-y, on check! Qu'est-ce qu'il y a? Viens là, man! Viens, bro! Vas-y, va dans ses bras! Voilà, carré! Tu me fais des vrais checks de potes, toi, maintenant! Ouais, je te fais un check de potes, y'a quoi? Oui, parce qu'il faut enfin valider notre relation, c'est bon. Valider, je dirais pas ça, pas du tout. Je valide mais pas. Si. Mais baby girl. Ouais, mais tu vas plus tabasser au moins. Ça reste à voir, ça dépend si tu respectes ou pas, je te l'ai déjà dit. Eh, en vrai. J'ai l'impression que j'ai loupé une longue discussion là, non? Déjà, ouais, ça dépend si tu respectes ou pas. Déjà, et en plus de ça, baby girl, j'ai pas fini de me battre. J'ai pas fini de me battre, baby girl. Mais bats-toi pour des vraies causes, bats-toi pas pour... Attends, t'es en train de dire Nova, c'est quoi? C'est un caillou pour toi? Ça veut dire quoi, ça? Non, alors là, c'est mal interprété. Voilà, non, c'est mal interprété. C'est juste que, en fait, t'es perdu d'avance pour toi avec Nova, donc... Mais que t'en sais, man? Oh là là, mais il est choqué, c'est quoi ça? Bah Nova, on est d'accord, c'est perdu d'avance. Pourquoi ça serait perdu d'avance? Attends. On est ensemble, donc je pense que... Bah attends, dis-moi, t'étais où quand le... T'étais où quand le pointeur il a poursuivi, man? Hein? C'est qui l'a mis à terre? Bon, on va baiser la prof d'art plastique! Hein, t'étais où, man? Bah j'étais pas là, heureusement que j'étais là pour toi, j'étais pas là, mais à cause de qui? Eh, dis la vérité, à cause de qui j'étais pas là? Bah je sais pas, moi t'étais pas là, c'est tout. Bah c'est à cause de toi et Jordan, frère, à chaque fois que je suis avec vous. Oh le mytho! Mais comment ça le mytho? On t'en fait quoi, man? Vas-y, je me cache, je vais avoir un mal de crâne, je le sens arriver comme une... C'est un mytho, non?
C'est quoi ça? Oui. Eh hey, Nova, tu m'as... Mais c'est Nova, elle est hypnée. C'est Nova, elle me regarde avec ses yeux de bichette là, oh. J'ai rien demandé moi. Mais toi, vous avez brillé vous deux là. Vas-y, eh hey, Bobby, sois pas jaloux, c'est comme ça. J'ai vraiment aucune chance avec toi. Qui c'est qui t'a protégé? Qui c'est qui? Quand t'étais mal, qui pleurait là? Qui c'est qui t'a... Je sais pas quoi dire, aide-moi, Jojo. Pourquoi tu m'as pris comme ça par la tête? Bah, je sais pas, c'est toi qui t'es mis dans... Mais qu'est-ce que... Est-ce Bobby t'apporte quoi, là, Nova? Dis la vérité. T'as oublié ce moment-là? J'ai tout fait pour Watt. Tu peux pas dire le contraire. Mais moi, si je pouvais donner ma vie pour toi, je le ferais aussi. Ah bon? Bah oui. Ouais, mais elle veut ton cœur. Mais mon cœur, il est déjà pris. Mais comment il peut être pris? Comment ça, il est déjà pris? Moi, ce que je... Eh, vas-y, eh. Moi, ce que je comprends pas, Nova. Nova, attends. 2003, en 2023, maintenant, il suffit juste de dire... vas-y, je t'aime bien et ça suffit. Nova, dis... Nova, regarde-moi dans les yeux. Baby girl, t'en as rien à foutre. Tu vas te... Eh, dis-moi, qu'est-ce qui t'apporte? Dis la vérité. Parce que moi, à part fricoter les petites salopes... Mais non, mais à part fricoter les petites salopes de rouge, moi, je vois pas ce qui t'apporte. Non, mais la vie, c'est pas... On n'est pas que des gangsters, genre. Bon, bien sûr que si, la vie, on est des gangsters, c'est carré. Mais parce que vous deux, vous allez finir en prison et c'est moi qui vous rapporterai vos petits téléphones et vos petits trucs. Et tu vas le planquer où, le téléphone? Oh, mimes. Dans mon cul. Je le rentrerai comme ça, tout au fond de mon cul. C'est un téléphone en forme de tube? Ouais. Oh, carré. Baby girl, tu sais quoi? Ça va, y est. Réfléchis bien, baby girl, et réfléchis surtout au moment où tu m'as pris par la teuté. Tu te souviens de ce moment-là? T'as les m'embrasser. Et ben, réfléchis. Pourquoi t'as fait ça, hein? Là, tu vas en parler, Amine. Tu vas en parler, Amine, peut-être. Moi, j'ai du vécu. Je suis un ancien ici. Voilà, je demande de yo, les gars, ça va ou quoi? Moi, il me faut du respect. Il me faut vas-y, raconte. On t'écoute. Vas-y. Vous, comparé à moi, vous êtes des petites merdes. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, en fait. Eh, calme-toi. Le Steven Seagal du bled, là. Calme-toi, mon ref, d'accord? Là, avec ta petite couette, là, tu vas. Décompresse, d'accord? Qu'est-ce que tu nous fais, je peux tirer ta petite natte ou quoi? Attendez, mais vous voulez régler ça? Les gars, vous voulez pas faire une bagarre directement? La violence, tu veux lui tirer la petite natte? La violence. Non, mais. Il va me tirer les cheveux, ce bâtard, vas-y, laisse tomber. Les gars, comme des hommes, vous allez derrière et après vous réglez ça. Vas-y, on y va. Vas-y, je te rejoins, vas-y, j'arrive. Allez, c'est parti. Oh, Aziz, ça va ou quoi? Yellow, je vais te tarte dans la gueule. Oh, Aziz! Oh là là, des menaces! Aziz! Ah, on a une conversation, il va falloir qu'on en parle, on a une conversation de fou. Quoi? Yellow, on va rediscuter. Mais pourquoi il y a une meuf à terre là? Bah, je sais pas, c'est Patoche, il est en train de péter un câble, il est en train de me. Eh, vas-y, attends, je vais me péter avec Steven Seagal là, ce bâtard là. Ouais, vas-y, ça marche. C'est bizarre, il arrive avec le prof de sport, c'est bizarre. Vas-y, j'arrive. Mais non! Ouais, Seagal! Ça va, bâtard? Attends, il fait quoi là? Reviens, bâtard! Reviens, bâtard! Vas-y, bâtard, viens! Ton enculé, personne par contre! Vas-y! Arrête, je vais te faire virer, arrête tes conneries! Comment ça? Vas-y, il est mort! Non! Bah, attends, il se fout de ma gueule! Sale tricheur! Ah, bâtard, alors Steven Seagal là, petite salope là! Hein? Alors, à part courir comme une zoulette, tu sais pas te battre là. T'es une petite pétasse là. Par contre, il vous a couché en 1v3 les gars. Mais il a rien couché du tout, il fait que courir là, ce bâtard là. Mais comment il vous a niqué en 1v3? Voilà. Voilà. Eh, couette, les gens comme toi, on les écrase là. Attends. J'aime beaucoup. Vas-y. La prochaine fois que tu te couraves, cours pas comme une petite salope là. Vas-y. Quand on a perdu, on ferme sa gueule. Non, toi tu vas fermer ta gueule toi. Eh, vas-y, arrête d'être lâche toi. Putain. Ça fait deux fois. Jordan, t'es vraiment une gueule de merde. Attends, je me relais avec ton genre de salope. Ouais, c'est vrai, c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, baby girl? Ouais, il se passe quoi? Je peux pas voir. Hé, oriente-moi là, bâtard. Bah alors, je sais qui est au sol. C'est Jordan. Je monte en l'air là, je peux pas me respecter maintenant. Allez, Juju, lève-toi. Non. Il s'est fait niquer. Jordan,
Mais non, je me suis pas fait niquer. En fait, ce petit bâtard, il fait que de courir et mettre des coups comme un lâche. Ah, le bâtard. Bah ouais, bah ouais. Kefda ? Ouais, non, Steven Seagal là. J'ai rien fait, moi. Regarde le sang, regarde le sang. Le sang au sol, c'est à lui, ce bâtard. Ça va, ma petite fleur de zil. Mais viens le menotter. Ouais, ouais, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Ok, donc c'est Jordan, c'est ça ? Ça va ? Ouais, c'est Jordan, ouais. Mais de quoi c'est Jordan ? De quoi ? Attends, mais ta gueule, toi. De quoi c'est donc, Jordan ? Jordan, tu t'es déclenché des bagarres, c'est ça ? Quoi ? Non mais c'est une blague ! Surveillant, Si, si, il a déclenché des bagarres avec Amine. Je l'ai vu, il a tapé Amine direct. Non mais vous rigolez ou quoi là ? Ah non, c'est... Allez, moins 2 points pour les bleus. Quoi ? Très bien, très bien. Mais pourquoi ? Mais c'est une blague ou quoi ? Eh mais c'est quoi tous ces salopes là ? C'est un délire, de toute façon t'en fous. Mais c'est au Japon. Vas-y. Mais non, comment il va ? Eh Kirby. Aziz Kun. Explique à Aziz ce qu'on a vu avec les roues. Vas-y, dis-moi Kirby. Ouais, en gros, Suzy elle m'a dit vas-y c'est pas bien ce que tu m'as fait, nanana. J'ai dit écoute ce qu'on va faire, tu vas me ramener tes man, je vais ramener mes man et on va faire une petite réunion. Entre temps, il y a Nova, je crois, elle a discuté avec Letus, c'est ça ? En gros, il nous a fait part d'un truc bizarre, là, avec comment ils ont trouvé ça et tout le bordel. J'ai même pas retenu. Et en gros, peut-être qu'ils peuvent nous aider, pareil, quoi. Voilà. Attends, donc là, on va mendier l'aide des gens. Non, pas du tout, pas du tout. Non, en fait, eux, en fait, on va partager les infos qu'on maîtrise, c'est-à-dire les infos qu'on veut partager. On va pas tout leur dire. Eux, en échange, ils vont nous partager les infos, à savoir que chez les jaunes, ils ont exclu Kefta. Tu vois ou pas ? Ok. Voilà. Ouais, c'est bon. Et pour nous, moi, c'est ce que j'ai dit, Brandon, c'est un bâtard, c'est un rouge, tu vois ou pas ? Et attends, on a découvert un autre truc. Eh, expliquez-lui pour la statuette, comme par hasard, des rouges, là. Ok, en guise de confiance, les jaunes nous ont raconté en gros qu'ils ont trouvé la machine et qu'ils ont une idée de comment ça pouvait s'utiliser dans la salle de science. Et ils m'ont dit qu'il y avait quelque chose de bizarre sur le bureau du prof. Okay. Il y avait une statuette avec un blouson rouge, comme les rouges, ok, exactement le même, sauf qu'il avait une tête de loup. Et bah, donc, comme sur le truc des rouges, regarde, ils sont en train d'enquêter, ouais. Mais je me rappelle que j'ai eu une discussion avec le prof d'histoire. Qui m'avait dit, et après s'était rattrapé, qu'il avait plus de 2000 ans. Mais ça existe pas, les loups-garous, Nova ? Mais comment tu peux dire ça alors qu'il y a un endroit dans notre salle On va savoir, on va savoir. Mais parce que c'est... C'est des créatures légendaires, il y a même... Après, Aziz, on a vu des Pokémon de sa mère, hein. Ah ouais, c'est vrai, À partir de là... j'avoue. Ouais, là, on en a vu Carapuce. On a vu un Mogwai courir avec un cut, hein, sa mère, hein. Ah oui, ouais. Franchement, je m'en souviens bien. Bon, ah, ok, ouais. D'accord, je crois le garou, ça va. C'est ok, d'accord, c'est bon. Les rouges, écoutez-moi bien. Et je commence à me dire que les rouges, c'est pas des élèves. Non, je suis peut-être fou, mais je crois que les rouges. Ta copine, elle est rouge en plus. Eh, maman, c'est une petite louve. Non, mais elle, miskine, on l'a croisée, elle est perdue. Savoir, man. Mais je commence à me dire que les rouges, ils sont de mèche avec les profs et ils cachent des bails chelous de fou. Tu crois que tous sont liés? Bah ouais, honnêtement, ouais, je crois. Je sais pas, mais il y a des trucs chelous. Ouais. Une statue des rouges comme ça dans le bureau d'un prof. Vous avez pas remarqué ? Les rouges, Brandon, ils sont dans la confidence. Mais ouais, mais ils sont comme par hasard dans la confidence de tous les profs. Comment tu peux être choqué ? Ça pourrait expliquer pourquoi il y avait le bras qui était déchiré sur le bureau du prof. Et comme par hasard, qui l'a découvert ce bras en premier ? Les rouges. Amine, comme par hasard. Eh, pourquoi les profs, ils protègent les rouges comme ça ? Ah, ils sont à moins 50. Peut-être qu'ils ont un passif avec les rouges. Peut-être que cette école a un passif avec les rouges. Il y a quelque chose de bizarre, vas-y, il y a quelque chose de bizarre, je vous le dis, les gars. Mais il n'y a aucun rouge qui veut ouvrir son cul. Et attends, pareil, tu m'expliques comment dans une bibliothèque d'une école on trouve un livre sacrificiel avec des invocations démoniaques. Un de théâtre qui est complètement fou. Yo, ça va ou quoi ? Monsieur l'homme. Salut. Le prof de Dick. J'allais bien. Ça va et toi ? Divorce, t'as pas un petit pansement carré ? Non, j'ai pas un petit pansement, par contre j'aimerais en savoir plus sur ce qui s'est passé avec la prof de théâtre, ou de dessin plutôt. Quoi ? Tabassée, retrouvée nue dans... Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Comment ça ? Après, tout à l'heure elle en parlait, elle a dit elle-même qu'il y a quelqu'un qui était habillé en rouge. Moi j'étais pas là, moi. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est parce que je me dis que les élèves, entre eux, parlent plus que les élèves et les profs. Ah mais c'est... Mais bien sûr, mais c'est un rouge. Vous m'apprendre une nouvelle, j'étais mal. Non, c'est un rouge, Kirby, c'est un rouge, je nous l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous apprendre une nouvelle. Si vous arrivez à avoir quelques petits renseignements là-dessus, peut-être que vous pourriez gagner quelques petits points. Ah oui, c'est carré. Ok.
D'accord, ouais. Bon. Très bien. Ouais, entre ça nous. Marche. Parfait, vas-y, ça reste entre nous, man. À plus tard. Eh, bien sûr, personne va balancer, on est d'accord. Mais je suis au courant de rien, moi, déjà. Moi, ouais, je sais même pas qui c'est. Si on le sait, on le sait. Bah, si, on le sait, tu nous l'as dit. Enfin. Mais attends, de quoi on parle? Non, mais par contre, ça... Attends, sérieusement, je sais même plus si vous me menez à la baguette. Je me rappelle plus. Prof d'art plastique qu'on a mis à nu, c'est pas nous. Mais moi, j'étais même pas au courant de ça, man. Le prof d'art plastique. Tu viens de dire, on va pas balancer, n'est-ce pas? C'est que tu sais quelque chose, non? Non, 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 je ne sais rien. Mais si je devais savoir quelque chose, je ne dirais rien non plus. Aziz, ah, si, Aziz. C'est pas une monnaie d'échange pour quelque chose. Attends, Aziz, tu nous caches si, rien on là. On dit qu'on allait être compensé. On va perdre des points quand même là, ça fait chier. Non, on va pas perdre des points, on va en gagner, il disait. Mais si. Non, mais on en a perdu là, juste avant. Bah vas-y, on en a perdu deux. Ouais, non, mais hé, ça, c'est digne des rouges, ça. C'est des belles salopes. Quand ils se battent, je vous le donne, je vous dis la petite, tu vois. Et ils font que de courir et distribuer des coups, c'est ridicule, t'as vu? Ça, c'est des techniques de grosses chiennes, tu vois ou pas? Ça, c'est vrai, ça. Donc faites attention, bah voilà, bah faites pareil, c'est tout. Ouais, t'inquiète pas. Vas-y, c'est carré, je reviens. Du coup, il y a le voyage là. De ce que j'ai compris. Japon. Je m'occupe de l'affaire. Bah, si, c'est carré, hein. Non, on va bouger, mais. Vous êtes bien gentil. Aujourd'hui, vous avez le coupable. Aujourd'hui. Il est arrivé à elle. Madame, oh, madame. Il est devant vous. Madame, ouais. Je te dis un truc, man. Y'a quoi? Faut que tu m'aides pour un petit truc. Vas-y, j'arrive. Eh, monsieur, vous avez pas un petit truc pour me soigner là vite fait là? Non, malheureusement, j'ai épuisé mon stock de pansements. De pansements. Y'a quelqu'un qui a des petits pansements? J'ai plusieurs à chercher l'infirmerie, mais la personne. Il est où, prof de Zig, madame? Excusez-moi. Eh, ton kefta là. Eh, dites-lui plus rien. Mais on lui dit rien de toute façon. Non, lui, c'est une petite salope, lui, hein. Lui. Et en fait, il est trop avec les rouges. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça. Parce que tout à l'heure, j'ai surpris une petite conversation et tout. Lui, c'est. Ah ouais c'est... Mais il vous la mettra à l'envers dès qu'il pourra, lui. Faites attention à lui. Hein. Non, mais il l'a déjà fait. En fait, si tu veux, je te donne l'exemple concret. Vas-y. J'étais à la bibliothèque avec Suzy. Tu vois, c'est avec les ch'tards, là, la moche. Ouais. Enfin, moi aussi, je suis moche, mais. Ouais. Voilà. J'avoue, et t'es pas. T'as vu? Ouais, voilà. Mais vas-y, ils étaient avec bah, votre pote. Enfin, votre pote, le bleu, la Brandon. Non, ouais, Brandon, c'est pas notre pote, ouais, vas-y, ouais. Voilà, ils étaient avec un rouge. Et ils avaient. Bah, c'est là où ils ont ouvert un coffre dans la bibliothèque, etc. Ils ont trouvé un truc de fou et tout. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, bah, nous, on dit toi, Kefta, il va nous dire aussi. Ouais. Il va nous en parler. Il nous en a pas parlé de la soirée. Donc, après, on l'a pris dans le bureau. On a dit, Kefta, non, t'es plus rien. T'es plus le délégué, t'es plus rien du tout. Du coup, voilà, on fait un peu semblant d'avoir fait la paix. Okay. Mais okay. On est très méfiant avec Kefta. Ah, ouais, méfiez-vous, les gars. Vas-y, viens, faut qu'on aille devant l'école. Eh, moi, j'aimerais bien. Bon, les verts, ils sont déjà foutus, sa mère, tu vois. Mais j'avoue, j'aimerais bien les jaunes, les bleus et les verts ensemble. Et vas-y, on fait avancer les choses. Je te jure que les verts, ça va. Hier, on était dans les backrooms avec des verts. Ouais, carré. Mmh. Et c'est juste qu'ils n'ont pas beaucoup d'éléments, par contre, comparé à nous tous. Ouais, tu ok, vois. Ok. Mais si on peut, on peut les attends, prendre. Attends, bouge un pas, peu bouge pas. Eh, hey, Céline. Eh, hey, Céline Dion. Ouais, réponds, bâtard. Eh, hey, parle pas comme ça, prof de sport, t'es un baiser. Ah, c'est lui, Céline. Eh, ça va ou quoi? Le pakistanais là, tu veux quoi? Eh, t'as pas un petit pansement là, bâtard? Oh, le paka, ramène-moi des chisnans, il me fait pas chier. Eh, oh là là, c'est quoi ce racisme là, bâtard? Le fils de Ganesh. Eh, vas-y, eh, il est où ton mari René là, bâtard? Oh putain, le fils de Ganesh. Eh, sa moustache, c'était comment là, sur tes petites boules? Ouais, franchement, c'était sympa. Bah ouais, je comprends, petite chienne. Amine! Et toi, ta moustache, c'est comment là? Tu savais que Jordan c'était le fils de Ganesh? Regarde la gueule. Non. Oh, les pancartes. Attends, Jordan. Ouais, y'a quoi? Vite fait, j'ai juste un petit truc à te dire. Vas-y, carré. Vas-y, raconte. Man. Ouais. Vas-y, tu sais qu'avec Nova. Attends. Tu sais, c'est compliqué avec Nova, tu captes? Ouais. Du coup, je fais les choses en grand. Ouais. Ça sera kit ou double. Tu vas faire quoi? Je lui ai fait une musique, man. Je l'ai écrit pour elle. Oh vas-y putain. Man, écoute-moi. Salut les gosses, vous allez bien? Bien yo, dormir, ça va ou quoi? Eh, t'as pas un petit... Ouais, carré. T'as pas un petit pansement? Je me suis réveillé avec un mal de tête de fou. L'infirmière, elle est pas là. Ah ouais, elle est pas là. J'arrive okay pas. Merci, t'es un bon. Vas-y. Allez vous mettre en rang, les gars. Mais man, pourquoi tu pars comme masque quand je te dis des trucs et tout? Mais tu veux faire ça quand? Ce soir? Écoute, soit dimanche, soit lundi, j'ai vu avec le prof de Zik qui va me foutre une scène et tout. Et ça sera soit le vent de l'année, soit dans mes bras. Là, vous pouvez vous calmer un peu sur la démarche. C'est bon, on a compris ta blague avec ton short de baltringue, arrête un peu. C'est là. Le fils de Ganesh. Mais bien sûr, Ganesh est mon papa.
Eh, tu le dis à personne, hein. Oui, c'est bon, toi. Bonjour, Kirby, je t'en supplie. Je t'en parlerai plus tard, t'inquiète. Tu te rappelles qu'il y a des problèmes, j'ai décidé d'être un rebelle. Mais non, t'inquiète, Nova, c'est une petite surprise. Ah, ok, d'accord. Moi, j'ai jamais regardé. Coucou tout le monde, bien. Y a pas quelqu'un qui a un pansement là, sa mère. Tu répètes ce que je dis avec un mot plus. Parce qu'elle le dit mieux dans les rapports. Comment ça va, on est tous bien, on est dans la même classe. Ouais, d'accord. Elle t'a super bien imité, par contre, faut le dire. Ah ouais. Bonsoir, monsieur le professeur. Attends, j'arrive. Bonjour, bonjour. D'accord. Bonjour, monsieur le professeur. Retour avec elle. Oh, papa. Papa. Ça va, oui. Eh, t'as pas un petit. Comment ça, t'es mon fils? Bah, il paraît, ouais. C'est Céline Dion qui me l'a dit, ce bâtard. Il s'amuse à le dire à tout le monde. Eh, t'as pas un petit pansement là? Bah là, on va, vous allez tous aller en rang, s'il vous plaît. Non, parce que y en a. Ouais, vas-y, carré, carré. Désolé. Tout le monde en rang, s'il vous plaît. On y va. Eh, je suis allé voir. Je suis allé voir papa. Il a pas de pansement. C'est Lindion là. Bien, 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 bien. À vous l'honneur, Don, de par votre formation, je vous laisse commencer. Je prendrai la relève. Des informations importantes. J'ai quelques annonces à vous faire. J'aimerais qu'on félicite Amine et John suite au conseil des disciplines. Voilà, ils auront aussi la chance d'avoir une médaille. Attends, médaille de quoi? Attendez, je vais terminer. Oh, la médaille de la plus belle salope! Parce que ce sont les seules personnes qui ont réussi à attraper le pointeur. Parce que c'est des salopes! Non, mais moi je l'ai défoncé. Silence, silence, silence. Donc du coup, on remercie ces deux personnes qui sont des deux braves jeunes hommes qui ont ils étaient courageux à attraper le pointeur. Moins de points pour les rouges. Bravo! Mais j'ai même pas parlé. Donc aujourd'hui, journée très, très spéciale, vous avez deux cours, d'accord? Et ensuite, après les deux cours, on vous organise le voyage au Japon. Voilà, voilà. Merci. Monsieur Ganache? Yokata. Ganesha. Monsieur Ganache, j'ai une question. Oui, dites-moi. Elle est où, Kaina? Ah, toi, t'étais vraiment pas là. Kaina, je vais répondre, Kaina a été transférée au sein d'un autre établissement. Quoi? Pour la simple et unique raison qu'elle a été surprise en. Merci Rafistolage, merci pour le 33ème mois, merci. De produits stupéfiants. Donc, au sein de l'établissement. Sachez que c'est intolérable et que madame Kaina a donc quitté l'établissement, elle a été transférée ailleurs. Et on lui souhaite tous le meilleur. Un élève a été exclu de l'établissement. Je parle de bien aujourd'hui de Josh, membre de la classe numéro 4. Josh, agression sur la prof de art et design. Elle a été attaquée dans son dos par cet être malsain. Voilà, quel enfoiré de merde! Ça, c'est le boss. Et donc, il a été exclu. Et enfin, pour la sortie. Alors, la sortie, c'est très très important. J'attends de vous un comportement exemplaire. D'accord? Vous allez être mis par groupe de deux. Enfin, vous allez être divisé en deux. D'accord? Oui. Chacun aura des activités différentes, les deux groupes, donc 12 et 12 élèves. Je compte sur vous pour ne pas courir partout, ne pas vous balader de partout. La ville est extrêmement dangereuse. D'accord ? Ouais, dangereuse. Extrêmement dangereuse. Il y a des yakuza. Si vous êtes. Oui, il y a des yakuza. Oui, c'est dangereux. Oh, trop bien. Oui, il on va les planter. Ne faut pas. Vous pourrez faire du poker avec les yakuza. D'accord ? Il n'y a aucun intérêt à quitter le groupe et à courir tout seul à droite, à gauche et faire le fanfaron. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Je vous préviens. Vous allez donc pouvoir suivre tout le monde. Parce que oui, je suis interdit de quitter le territoire à cause des soucis qui tournent autour de l'école en ce moment. Donc je ne vais pas pouvoir venir. C'est pas drôle. À ma grande déception, bien entendu. Ça vous fait rire, Amine? Oh non, trop dommage. Oh non. Montrez-moi à quel point vous êtes triste. Ça me... Oh non, vraiment, trop dommage. Oh non, on s'en bat les couilles, bâtard. Ça me va droit au cœur. Sachez que je me battrai pour que si jamais un ayant de voyage, je puisse venir. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai fait tout mon possible pour être auprès de vous. Et je n'ai pas pu. Voilà. Oh non. Va te faire foutre avec ta perruque de bâtard. Si un jour on vient en Turquie. La Turquie, c'est pas prévu, dans la liste des voyages. Mais pourquoi pas, peut-être que si vous redoublez 3-4 classes et que dans 3-4 ans, il y a une perruque de fou, t'inquiète pas. Donc resterons ici. Dans l'établissement, moi et monsieur le concierge, bien entendu. Dans tes rêves.
Pardon ? Dis-lui ! Non, vous avez mal entendu, monsieur le directeur. Vous avez mal entendu, monsieur le directeur. Je me serais battu pour m'en sortir. J'en rêve. Il se trompe, il se trompe. J'apprécie. Et maintenant, on va pas retarder plus longtemps vos professeurs. Vous allez en cours. On a très peu de temps avant le voyage, d'accord ? Ok, bon, pour terminer, on va commencer les cours. Donc, la classe rouge. Vous avez cours de mode. La classe verte, vous avez cours de tennis. Elle va se refaire. Et la dernière classe, vous avez cours de chant. Allez, putain. Vas-y, oh là là, de chant. It's on the regular, I talk that money talk, it's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them.